Da mag man etwas neidisch in die Schweiz blicken, denn dort entsteht in der Innenstadt von Basel ein Kunstzentrum der etwas anderen Art. Ein ehemaliges Bankgebäude, das Symbol des Schweizer Kapitals, wird umgewandelt in ein soziales Kunstwerk. Auf 6 Etagen arbeiten Theater, Film und Literaturschaffende. Träger des Projekts ist eine Stiftung. Michael Unger war für uns in der Kulturbank. Ils étaient dans une villa, le concept était sensiblement le même, mais ils avaient beaucoup moins de place qu'ici. Ici, il y a des endroits pour danser, manger, boire, c'est un peu multiculturel. Au cœur du bâtiment, la culture café, une façade qui est pourtant loin d'être uniquement commerciale. À l'intérieur, aujourd'hui, soirée tango. L'ancien hall des guichets se transforme en plaque tournante de la communication. On oublierait presque qu'on est à Bâle. Et voici les créateurs de Unternehmen Mitte. Leur concept, faire de la centrale de l'argent un pôle d'attraction pour le public. Nous ne nous contentons pas de vivre ici en communauté. Ici, nous combinons vie et travail. Nous habitons ici parce que c'est notre travail, c'est notre vie. Mais notre vie, c'est aussi notre art. Et cet art, nous l'exerçons bien, même dans nos rêves. Évidemment, on espère toujours avoir de bonnes idées dans nos rêves pour pouvoir les concrétiser le lendemain. En fait, le bâtiment entier est un pool. Les gens qui travaillent ici doivent aussi vivre, sinon ce n'est pas supportable. Avis aux amateurs, il reste encore quelques chambres à louer sous les toits, des logements pour artistes, car il faut bien financer l'entretien du bâtiment. Unternehmen Mitte est encore un work in progress, en clair, un chantier. Un provisoire qui restera permanent. Aber permanentes Provisorium soll es auch bleiben. C'est notre façon de travailler. Les structures provisoires, c'est ce que nous connaissons le mieux. C'est aussi dans ce type de structure que nous nous sentons mieux, que nous sommes le plus créatifs. C'est ce que nous essayons de faire ici à Bâle. Je crois que si quelque chose était fixe, on chercherait un autre endroit. Ici, tout doit être possible, sauf le raisonnablement correct. Pendant 80 ans, les coffres ont été aux mains du tout puissant capital suisse. Après la liquidation de la banque, les artistes en ont pris possession. Un bien provocateur. On nous a critiqué, on nous a traité de capitaliste parce que nous reprenions une banque, quand même une banque d'idées. Capital, ça veut dire principal. Strasbourg est la capitale de l'Europe, par exemple. Et le véritable capital de l'homme, c'est son cerveau, sa tête, son organe le plus capital. C'est dans ce sens-là que nous sommes des capitalistes. L'établissement bancaire est mort. Sur son squelette, une vie nouvelle apparaît. Ses caractéristiques, gaieté, courage et énergie.